System.io. Présentation générale. Web marketing. Dans cet article, je vais vous présenter le logiciel en ligne System.io. Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà entendu parler de cet outil. Peut-être est-ce son tarif très bas qui vous a fait de l'œil ou bien ses fonctions tout en un. Quoi qu'il en soit, dans cet article, vous allez être guidé dans la découverte du logiciel à travers ses points forts et faibles. Afin d'avoir une idée claire du logiciel et d'être sûr de votre choix. System.io est un logiciel SaaS qui regroupe tous les outils indispensables pour créer et gérer un business en ligne. Et ça, c'est très, très agréable quand on débute ou qu'on n'est pas un grand fan de la partie technique du business en ligne. Qu'est-ce que SaaS veut dire ? Le software à service, SaaS ou logiciel en tant que service, est un modèle d'exploitation commerciale des logiciels dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de l'utilisateur. Continuons. En tant qu'entrepreneur du web, vous savez à quel point les outils avec lesquels on travaille sont importants. Vous devez miser sur un bon marketing et la création d'un système efficace qui donne une bonne image de votre marque. Alors, à votre lecture et bonne réflexion sur cet outil qui pourrait bien vous ravir. Sommaire. Qu'est-ce que System.io ? Son histoire, ses débuts et pourquoi il a été créé. L'histoire de System.io. Les débuts de System.io. Les fonctionnalités principales. Le tableau de bord. L'autorépondeur. Les tunnels de vente. Les templates. L'éditeur de page. Intégration. Formation en ligne. Dropshipping e-commerce. Que vaut l'autorépondeur intégré de System.io ? Est-ce que l'autorépondeur System.io a un bon taux de délivrabilité ? Créer son premier tunnel de vente. Créer et vendre un produit physique. Vendre son produit avec System.io. Créer un blog avec System.io. La marketplace de System.io. L'affiliation avec System.io. L'avis de l'équipe web et rêve sur System.io. Les moins de System.io. Les plus de System.io. L'avis d'Aubin sur System.io. Les moins de System.io. Les plus de System.io. Conclusion. Qu'est-ce que System.io, son histoire, ses débuts et pourquoi il a été créé ? Avant de parler de System.io, je vais vous présenter son fondateur qui n'est autre qu'Aurélien Hamacker. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Aurélien Hamacker est un webmarketeur français. Il est célèbre notamment pour son livre « Je gagne ma vie avec un blog » dans lequel il raconte tout son parcours. Son livre a été durant un temps numéro 1 des ventes sur Amazon, vous pouvez le télécharger gratuitement ici. Avis, toutes les lignes soulignées que vous rencontrerez durant cet argumentaire sont en réalité des liens qui vous redirigent vers d'autres contenus. Mais comme il est impossible de cliquer dessus dans la vidéo, je vous recommande de télécharger le PDF qui vous attend dans la description. Reprenons. Il est également connu pour sa formation « Blog et gagner » dans laquelle il explique comment créer un blog et en vivre. Cette formation a permis à de nombreuses personnes qui l'ont suivi de créer un blog à succès sur le web. Vous pouvez le retrouver notamment sur YouTube et Instagram et pour en savoir plus sur lui, je recommande son livre. Il est très riche en enseignements et il se lit vite. L'histoire de System.io. À ses débuts, Aurélien Hamacker utilisait des outils comme OptimizePress, Aweber ou encore Wishlist Member. Il s'est vite rendu compte que ces solutions ne répondaient pas à tous ses besoins pour développer son business en ligne. Il a donc commencé à faire développer des petites choses par-ci par-là dans un premier temps pour pallier au manque de ses logiciels. L'idée de créer son propre logiciel français a commencé à mûrir jusqu'au jour où il a pris la décision de passer le pas et de faire développer son logiciel. Le but de System.io était de répondre à ses besoins mais aussi à ceux de tous les webmarketeurs francophones car il savait pertinemment que ses confrères rencontraient les mêmes problèmes que lui. Aurélien Hamacker a commencé à recruter une équipe de développeurs basée au Maroc. Ce fut un échec total avec cette équipe pour diverses raisons. Et cette mésaventure a retardé son projet d'une année. Suite à cela, Aurélien Hamacker s'est mis en quête de recruter son équipe idéale et surtout compétente. Il a finalement trouvé des développeurs compétents et réactifs de nationalité russe pour mener à bien son projet. Les développeurs russes sont repartis de zéro car ce qui avait été fait auparavant par la précédente équipe s'est révélé inexploitable. Ils sont donc partis d'une feuille blanche. Pour le design de System.io, Aurélien Hamacker voulait une référence dans ce domaine. Grâce à sa détermination, il réussit à obtenir le privilège de travailler avec Jason Cohen, un designer reconnu dans le milieu des startups. Forcément, la rémunération de Jason Cohen est en rapport avec sa notoriété et son professionnalisme.
Pour l'anecdote, Aurélien, un hacker, lui a fait un gros chèque de 20 000 dollars. A-t-il regretté cet investissement conséquent? La réponse est non au vu du travail accompli au niveau du design. Jugez par vous-même. Les débuts de System.io. Le logiciel de web marketing a commencé en sortant une première version durant l'été 2017 avec également une formule freemium en plus des formules d'abonnement. La formule freemium s'inspirait de MailChimp en proposant une formule gratuite. Ce business model fut assez rapidement abandonné par l'équipe d'Aurélien Hamacker au profit des formules d'abonnement actuelles. Le lancement commercial de System.io par Aurélien Hamacker s'est déroulé fin 2017, début de l'année 2018. Les fonctionnalités principales. System.io permet de créer et faire grossir sa liste email. D'ailleurs, avec System.io, il n'y a pas de liste car les contacts sont gérés par des tags. Les tags, qu'est-ce que c'est? Les tags sont des mots ou des expressions que vous attribuez aux documents pour décrire leur contenu. Et pour les retrouver. Continuons. Créer des pages de capture, des pop UPS et des formulaires que l'on peut intégrer sur son site internet pour collecter des emails. Arrêtons-nous pour expliquer ce qu'est une page de capture, un pop-up et un formulaire. Page de capture. La page de capture, appelée également landing page ou squeeze page, désigne une page reliée à votre autorépondeur, dont l'objectif est de récolter les emails de vos visiteurs. Pop-up. Sur Internet, pour le marketing digital, une pop-up désigne une fenêtre qui s'affiche sur l'écran de façon automatique à l'ouverture d'une page web. Il s'agit la plupart du temps d'un message publicitaire. La pop-up est alors utilisée pour inciter l'internaute à accomplir une action déterminée. Formulaire. En web marketing, un formulaire correspond à la même chose qu'en marketing classique, mais en version numérique et non papier. Ainsi, il permet de collecter des informations en échange d'un service. Créer des tunnels de vente très facilement. On peut modifier le tunnel de vente aisément en déplaçant les pages du tunnel. Tunnel de vente. Un tunnel de vente, aussi appelé entonnoir de vente, correspond à la représentation visuelle d'un parcours client tout au long d'une procédure de vente. On retrouve aussi le terme sous le nom de funnel. En amont de cet entonnoir de vente, l'objectif est simple, générer le plus grand nombre de prospects possible. Créer et héberger des formations numériques. Cours en ligne, en vidéo, e-book. Vous pouvez héberger vos formations gratuites comme payantes sur votre compte. Vendre des produits physiques. Tout s'interconnecte pour envoyer automatiquement votre produit au client. Vous pouvez aussi créer votre propre programme d'affiliation sur vos différents produits et services si vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'un autorépondeur? Un autorépondeur est un logiciel qui répond automatiquement à un message électronique qui lui est envoyé. Le logiciel peut être très simple ou très complexe. Un logiciel autorépondeur est souvent inclus dans un logiciel d'envoi de courrier électronique de masse. Qu'est-ce que l'affiliation? L'affiliation est un partenariat entre un apporteur de trafic et un site commercial cherchant à développer son activité. Le site commercial, alors nommé annonceur, propose un programme d'affiliation au site souhaitant rentabiliser son trafic, alors nommé affilié. Le programme d'affiliation décrit la manière dont l'affilié sera rémunéré en faisant la promotion des produits ou services de l'annonceur. Pour résumer, System.io intègre un autorépondeur, un créateur de tunnels de vente, un hébergeur de formation et la gestion de l'affiliation. C'est un véritable outil tout en un. Voyons le logiciel plus en détail. Une question qui revient souvent est de savoir si on peut utiliser un autre autorépondeur que celui proposé par System.io. La réponse est non. Parce que l'intégration d'un autorépondeur externe demande un gros travail d'après l'équipe de l'outil. Et du coup, que penser de la délivrabilité? Vos emails seront-ils reçus par vos abonnés? Qu'est-ce que la délivrabilité? La délivrabilité est un concept e-marketing. On dit d'un courriel expédié qu'il est délivré s'il est reçu dans la boîte de son destinataire. La délivrabilité comprend les caractéristiques de cette livraison, durée, succès, échec, raison de l'échec. Un gros travail sur ce point a été fait afin de délivrer un service de qualité pour cette partie stratégique de tous business internet. Soyez rassurés sur les performances de l'autorépondeur du logiciel et n'ayez aucune peur d'abandonner votre autorépondeur actuel pour celui-ci. Dixit l'équipe de System.io. Faisons le tour du propriétaire. Accédez aux 7 clés pour lancer un business en ligne en 2020 et obtenez 30 jours gratuits pour System.io plus une surprise.
fin de la présentation générale. Dans la prochaine vidéo, je vais vous faire le tour du propriétaire sur mon écran pour que vous vous habituiez avec notre logiciel. C'est Mayuxcosi, je vous laissais le découvrir tout seul. Merci et à la prochaine vidéo.